Good morgen, allez, Iden les tous aujourd'hui le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman ben Yosef, Nachman Yosef ben Chum, Avraham Chayin Orber ben Fortune, Mazaldov ben Yehudit, et Nissan ben Mafred. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Tamid, Perek, Gimel, Mishnah Tet, Mi, Shezacha, Bedishun, Misbeach, Apenimi, Nichnas ben Natalan Teni, Veinicho le Fanav, Veaya Chofen venoten le Tocho, ou Bacharona Mechabed et Ashar, le Tocho, Veinicho veYatza. Mishazacha bedishun ha-menorah, nichnas umasa shte nerot mizrachiot dolkim, medashen et ha-shar, umaniach et elu dolkin bimkoman. Metzan shikavu, medashnan, umadlikin et ha-mina dolkin, v'achakach medashen et ha-shar, ve'ven ha-ita lifne ha-menorah uba shalosh ma'alot, shalea ha-kohen omed umetiv et ha-nerot, v'iniach et ha-kuz al ma'ala shnia, ve'yatza. Pour rappel, d'abord, parce que là c'est important de situer, étant donné qu'on a une petite interruption en fait, cette Mishnah vient continuer la Mishnah Chet, tout simplement. Non, la Mishnah, oui, c'était plutôt la Mishnah Vav. Donc en fait, depuis le début du Perek Shlishi, du troisième Perek, on a commencé à voir que on a tiré au sort qui allait faire le Korban Tamid. Lorsqu'on a tiré au sort le Korban Tamid, alors on a aussi désigné les personnes qui allaient prendre les membres du Tamid et les faire monter sur le misbéar, ça c'était un groupe de personnes. Mais après ça, on avait désigné deux autres personnes aussi, qui allaient entrer dans le Echal, pour commencer par ouvrir les portes, bien sûr, mais surtout pour vider les cendres du misbéar, à Pnimi, ouais, pas le gros misbéar où on faisait les corbanotes, mais le misbéar à Zahav, le misbéar en or, le misbéar d'Actoret, où on faisait brûler l'Actoret de l'enfance, et préparer la menorah. D'accord? On va expliquer ensuite qu'est-ce qu'on prépare exactement dans la menorah. Donc ça, on avait vu dans la Mishnah Vav, on avait dit que pendant que eux, le premier groupe partait se préparer à égorger le Korban Tamid vers les Tabaot, qui se trouve ici, eh bien, les deux, ils partaient, ils entraient dans le Oulam pour entrer ensuite dans le petit Pishpesh, le petit couloir, pour ouvrir le Echal. Lorsqu'on entendait depuis dehors qu'on ouvrait les portes du Echal, alors ça y est, le Lifne Hachem, devant Hachem, le palais d'Hachem, il était ouvert. Donc on pouvait commencer par la Shrita. D'accord? Pendant ce temps, les deux qui sont à l'intérieur, ils vont commencer à préparer le Misbeach à Ktoret et à préparer les Nerot. Je vous l'annonce tout de suite, préparer le Misbeach à Ktoret, ça va être simple. Préparer les Nerot, ça va demander de rallonger beaucoup. Je vais essayer d'aller droit au but, Bezrat Hashem. En présentant ça, je vais d'abord vous faire une petite mise en scène pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Après, on va lire dans les mots. Et après, on va expliquer les sources des choses, c'est important de les savoir. Comme ça, ceux qui voudront arrêter la Mishnah un moment pourront, s'ils se le permettent, de le faire, sans que ça rallonge trop, en ayant eu l'essentiel de la Mishnah, même si on n'a pas eu les sources, c'est pas grave, ils auront au moins compris ce qui est écrit. On commence avec la première partie, donc. Une fois qu'ils ont ouvert les portes, dehors, ils ont fait le Korban Tamid. Et la Mishnah me dit, bon, Mishezacha Bedishun Misbeach Apenimi, celui qui a reçu au tirage au sort, qui avait eu le droit de vider les cendres du Misbeach HaPnimi. Donc, Nichnas, il entrait, Benatala Teni, et il prenait un grand panier qui s'appelait le Teni, on l'avait déjà vu dans le Mishnah Vav, Vinicho Lefanav, il le pose devant lui, c'est-à-dire il s'approche du Misbeach Azav, il va, il pose donc cette boîte par terre, et puis, Vehaya Chofen Venoten Letocho, il ramassait avec ses poignets, Chofen c'est une poignée, il ramassait avec ses poignets et il prenait des poignets comme ça avec ses deux mains. Il les mettait dans ce teni, dans ce panier. Ou Baharona, une fois qu'il avait tout fini, donc de ramasser les grosses cendres, il restait bien sûr des petites cendres. Alors, Kabed et Ashar les Tocho, il balayait le reste, les Chabed, ça se dit balayer. Le Tiferet Israël rapporte que c'était avec une petite balayette. Qu'il devait donc balayer les restes des cendres, Vinicho, une fois qu'il avait rempli le panier, il le laissait ici et il ressortait. D'accord? Pour le moment, il laisse le panier à l'intérieur. Je vous explique pourquoi est-ce qu'il laisse le panier à l'intérieur. En théorie, une fois qu'on a fini de remplir le panier, on doit le prendre et l'amener ici, au Makom Adeshen, pour le vider par terre. Mais malgré tout, non, il fallait le laisser ici. Pour quelle raison? Parce que maintenant, il va falloir s'occuper de la menorah. La menorah, c'est le, comment on dit ça, le chandelier, le candélabre, qui avait sept branches,
Et il faut s'en occuper. Alors là, ça se complique. Et j'explique ça très rapidement, le principe. D'abord, il faut entremêler la avoda de la préparation de la menorah avec le korban tamid et avec l'actoret. Il faut que ce soit un petit peu tout en même temps. Concrètement, on commence à préparer la menorah, on fait le korban tamid et on va préparer l'actoret et puis après on finit la menorah. C'est le principe qui va se passer. Je m'explique, comme ceux qui lisent le abayé le matin, abayé, avam. Alors là-bas, on mentionne qu'on rentre dans le Echal, on émet des chanes, on commence à préparer 5 nerfs. Après, quand on a préparé 5 nerfs, on fait le Korban Tamid. Et quand on a fini le Korban Tamid, alors, après, on prépare les 2 nerfs supplémentaires. Il s'avère qu'en fait, la menorah, elle a 7 branches. Il y a 7 nerfs qui sont allumés. Quand on a fini de préparer, de vider les cendres du Mizbéach, alors on commence à vider les restes de cendres et le reste d'huile et de mèche qu'il y avait dans 5 nerfs, 5, comment dire, 5 fioles. D'accord? Il y avait dans les 5 têtes. Et comme ça, il fallait les vider entièrement. On récupérait tout ça dans un couze. Le couze, c'est un petit verre. Et un verre où on mettait là-bas tous les restes de la menorah. On en mettait 5. Donc on vidait 5. J'expliquais après c'est lesquels les 5, d'accord? Mais pour le moment, on en vide 5. Ensuite, on va s'occuper de faire le Korban Tamid. Lorsqu'on va finir de faire le Korban Tamid, alors on va revenir dans le Echal pour vider les 2 Nérodes supplémentaires. Et après, une fois qu'on va vider les 2 Nérodes supplémentaires, donc maintenant on va se retrouver qu'on a le fameux Teni, le panier où il y avait les cendres du Mizbeach Haktoret, et le Kouz, qui sont l'ustensile où on a mis les restes de la menorah. On va le sortir tous les deux ensemble, on va venir à côté du Mizbéach, au Makom HaDeshen, on va aller jeter par terre, et là, miracle, le parterre ouvre la bouche et l'avale. Ok? C'est le principe. Plus ou moins. Avec quelques petites nuances maintenant, je commence à préciser un petit peu plus. En réalité, lorsqu'il va préparer les 5 Nérotes, alors, il faut préciser d'abord quelle Nérote il va faire, et qu'est-ce qu'il va faire avec les 2 autres pendant ce temps. Tout d'abord, il y a. C'est déduit tout ça de Psukim qu'on rapportera ensuite. Même la notion d'entremêlée, si vous faites attention quand vous lisez la paracha de la Ktoret, des fois on dit Baboker, des fois on dit Baboker, Baboker. Quand tu me dis Baboker, ça signifie que tu me fais le matin. Mais quand tu dis Baboker, Baboker, tu me dis le super matin. Donc tu fais une chose avant l'autre. Elle devient prioritaire. D'un autre côté, tu me dis Baboker, Baboker. C'est aussi interprété que tu dois séparer cette avodala en deux. En l'occurrence, c'est de là qu'on déduit qu'il faut séparer la menorah, la préparation de la menorah en 2 parties. Et que tu vas le faire baboker avant de faire le korban tamid, tu as déjà préparé le dijoun. Behativo et anerot. Behativo et anerot, ça veut dire préparer les nerot. D'accord? Au sens simple. C'est juste préparer les nerot qu'on ne les allumera que le soir, selon le Bar Tanoura et la plupart des Rishonim, sauf le Rambam qui nous dit d'allumer la menorah en journée aussi. C'est un peu spécial. Pour le moment, on laisse ça de côté. Donc, je reprends. La Torah, elle a insisté, elle nous a dit, tu vas vider les 5 nerot. Ah, alors la Torah, elle m'a dit, tu dois séparer en deux la préparation des Nérotes, que tu vas préparer essentiellement avant le Korban Tamid, en même temps que l'Aktoret, que tu vas préparer le Mizbeach Aktoret aussi, et donc tu vas aussi préparer les 5 Nérotes. Maintenant, la Mishnah, il y a une discussion sur ça, regardez, dans le dessin, ils nous ont mis comment dire, ils nous ont mis la menorah disposée du nord au sud. Ouais, le nord c'est ici, le sud c'est là. Donc disposer du nord au sud. Notre Mishnah ne va pas selon cet avis, elle va selon un autre avis, qui est d'ailleurs le vrai avis halakhique. On a passé Hanouka récemment, vous avez vu qu'on met toujours, on met la Hanoukia en perpendiculaire, pas en parallèle avec le Echal, en perpendiculaire. Parce que le mec, il y avait le Echal, la porte du Echal elle était là, et la menorah elle était dans l'autre sens, en fait. Peut-être qu'ici c'était juste une question technique de la préparer comme ça, je suppose. En tout cas, elle était disposée donc dans le sens perpendiculaire du Echal. Ok? Et dans ce cas-là, quand on a la perpendiculaire du Echal, alors imaginez maintenant qu'on a, que ça c'est le Echal pour moi, donc il y a ici la menorah, avec 7 nérotes, le principe il est simple, les 2 nérotes les plus proches de l'extérieur, pour le moment, on les laisse allumer, et les 5 nérotes externes, et les 5 fioles externes,
qui sont plus proches du Héral, en fait, internes, qui sont plus proches du Héral, on va pour le moment les vider. Et alors, d'accord, premièrement, une fois qu'on va finir le Corban Tamid, d'asperger le sang du Corban Tamid, alors on va revenir, on va aussi vider les deux Nérotes supplémentaires. Il y a maintenant un cas particulier, c'est si le Cohen il va rentrer et que les deux Nérotes externes se sont éteintes, alors il va falloir les rallumer. Faire une petite préparation, c'est-à-dire sans rien rajouter, il y avait assez d'huile, si ça s'est éteint, c'est qu'il y a eu un coup de vent, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, le Cohen, ils sont éteints, il va couper le charbon, vous savez, quand les mèches, une fois qu'elles ont brûlé, elles forment un charbon, il va le couper, il va tirer la mèche, il va rallumer ce qui reste, les deux externes. Il rallume la reste avec. S'il y a un nerf qui est allumé, il rallume à partir de lui les deux externes. Et s'il n'y a pas de nerf allumé, il va chercher du feu sur le Mizbéar. Ici, la petite mare Rachnia qui s'appelle en l'occurrence, il va chercher du feu du Mizbéar. Et il rallume les deux nérotes externes. Donc, c'est encore une fois, c'est ma porte qui est là. Les deux nérotes externes, il les rallume. Et puis après, il s'occupe de vider le reste. Ok? On a à peu près tout dit. Je fais ça maintenant à l'intérieur des mots. Et puis après, je vais vous expliquer un petit peu mieux d'où toutes ces choses-là sont déduites. On commence par Mishezacha Bedishun Amenorah. Celui, on a expliqué, donc celui qui a eu le droit de. Qui a gagné le prix de préparer le Mizbeach HaKetoret. Maintenant, on s'occupe de Mishezacha Bedishun Amenorah. Celui qui a gagné le droit de vider la menorah, de vider la menorah de ses cendres et de préparer la menorah. Nichnas, il entre. Il entre, il est déjà à l'intérieur, puisque c'est lui qui a ouvert les portes. Mais ça veut dire qu'il se rapproche, comme ça j'ai interprété, je suppose que c'est ce que ça veut dire. Au Matzah, Shtei Nerot Mizrachiot. Donc il rentre, et il va premièrement rencontrer deux Nerot Mizrachiot. Les deux Nerot à l'est, parce qu'il vient de l'est, il va vers l'ouest. Donc la menorah, elle est disposée, comme on a dit, dans le sens perpendiculaire. Il arrive, il rencontre premièrement les deux fioles externes, plus proches de lui. Il les laisse. Il les trouve qui sont allumés. Alors, s'il les trouve qui sont allumés, Medashen et Tashar, il va vider les cendres des autres cinq Nérotes. Omaniach et Elo Dolkin Bimkoman. Et il laisse les deux allumés, il les laisse à leur place. Pourquoi il va les toucher? C'est très bien, elles sont allumées. Metzan Shekavu, si quand il est rentré, il a vu qu'elles étaient éteintes, alors là, Medashnan, il va falloir vider les cendres. Mais attention, on ne parle pas de vider toute l'huile et tous les restes des cendres, non. Il va juste couper la mèche, le charbon qui s'est formé sur la mèche, il les coupe, il tire la mèche et il les allume. Ou Madlikan Mina Dolkin, il les rallume à partir des nérotes qui sont déjà allumés, dans les cinq autres s'il y en a. Et si toutefois il n'y en a pas, le Barthénora nous dit, Vimenero Dolkin, Madlikan Mimisbeachaola. Il les rallume à partir du Mizbeachaola, il va chercher, j'imagine avec une brindille, il va venir avec une brindille, il va rallumer les nérotes qui sont à l'intérieur. Maintenant, une fois qu'il a rallumé les deux externes, Medashen et Tashar, il va vider les cendres de toutes les externes. De toutes les internes, en fait, des cinq supplémentaires. C'est clair? Ouais? Donc je recommence. Imaginez là, je marche vers vous. Vous êtes le Echal. D'accord? Le Echal et le Kodesh HaKodeshim. Je viens dans votre direction. Donc je rencontre la menorah qui est dans ce sens, face à moi, dans la longueur, dans le sens que je marche. Je ne la vois pas comme ça, avec les sept manches. Je vois juste. Deux, comme ça. Les deux qui sont plus proches de moi, je les laisse allumer. Si elles sont éteintes, je me débrouille pour les rallumer en tirant la mèche, comme on a dit. Et les cinq qui sont plus au fond, je vais toutes les vider. Si elles sont encore allumées, je les éteins. Et je vide toutes les petites fioles, je les vide, je prends les charbons, je prends les restes de mèche, je vide tout. Et je prépare, bien sûr, je remplis l'huile et je remets une nouvelle mèche pour l'allumage de la fin de l'après-midi. On expliquera après plus précisément. D'accord? On n'allume pas la menorah en journée. On prépare les nérotes pour l'après-midi. Quand on va finir la journée, alors on rallumera. La menorah, c'est la avoda particulière qu'il faut allumer. Toute la nuit, en fait. D'accord? Depuis le coucher, depuis qu'on avait fini, en fait, le korban tamid de l'après-midi, jusqu'au korban tamid du lendemain matin. Donc, on a dit, les cinq, on les vide. Et je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. D'accord, on a. Et puis si toutefois elles étaient éteintes, donc il fallait les rallumer comme ce qu'on a dit, et après on s'occupait de vider les autres. Une fois qu'on allait finir le Corban Tamid, alors on reviendra vider les deux autres, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Pour le moment, la Mishnah, elle n'en est pas encore arrivée à là, puisqu'on n'a pas encore fait le Corban Tamid.
Ve'ven haïta lifnei amenora uba shalosh malot. Maintenant, la Mishnah me dit, sache qu'il y avait devant la menorah, il y avait une pierre, en fait c'était des escaliers, où il y avait dedans trois ma'alot, trois marches. Shalea a Kohen Omed, que là, ce petit escabeau, eh bien le Kohen se tient debout. La menorah, c'est une histoire de 10 tfachim, je crois. C'était assez bas, mais malgré. Non, 18, il y aurait 18 tfachim. Ça fait l'équivalent de 1m80, un peu moins, 1m70. Il fallait qu'il monte malgré tout sur des marches. Et Shalea a Kohen Omed, sur elle, le Kohen se tient debout, ou Metiv et Tanerot. Il y a une Xerat HaKadosh qui va le monter, en fait, sur ces marches pour pouvoir pour nettoyer les Nerot, ou Metiv et Tanerot. Et Veniach et Akuz al Ma'alash Nia, une fois qu'il avait fini pour le moment de vider les Nerot, il le posait sur la deuxième marche, le Kuz, le fameux ustensile où il a récupéré toutes les cendres, il le pose pour le moment sur la deuxième marche. Et il sort, parce que pour l'instant, il n'a pas fini de vider la menorah. Plus tard, une fois qu'ils vont finir le korban tamid, alors la Mishnah, plus tard, non, je pense que Dalet, la suite, plus loin, elle nous expliquera ensuite quand il rentrera, qu'il récupérera le reste, ils vont partir tous les deux jeter sur le makom à déchets. Voilà pour l'explication de la Mishnah. Maintenant, si vous voulez un peu mieux comprendre l'origine de toutes ces choses-là, alors on va les expliquer très rapidement, ceux qui sont pressés dans le travail. Passez une bonne journée, et nous, on continue pour le moment. C'est déduit tout ça de Psukim. La Torah nous a dit, on les a déjà dit comme ça, on les a déjà évoqués. La Torah insiste. D'abord, premièrement, quand je te dis Baboker pour le Korban Tamid, et quand je te dis Baboker, Baboker, lorsque je te parle de la paracha, de la Ktoret et des Nerot, ça signifie que la Ktoret et les Nerot, elles précèdent en partiellement. Tu dois commencer leur avoda un petit peu avant le Korban Tamid. D'accord? Premièrement. Maintenant, lorsque je t'ai dit Baboker, Baboker, en fait, le Bartenora rapporte qu'on va utiliser le mot pour te dire, tu sais, tu vas faire deux fois le matin la avoda des Nerot. Soit tu vas commencer à préparer les Nerot avant et les Nerot après. Maintenant, je te demande de préparer les Nerot avant, donc tu dois faire en théorie tout sauf un petit peu. Tout sauf un petit peu, ça signifiera en théorie de vider les 6 Nerot, mais d'en laisser une. Sauf que, tu me dis, Baboker, Baboker, Beativo est un Nerot, Beativo est un Nerot, etc. Donc il faut qu'ensuite, qu'après la deuxième fois que tu reviens, qu'il va te rester au minimum 2 Nerot. Donc de là, on déduit que tu coupes ça en 5 et 2, premièrement. C'est là que c'est déduit, tu coupes la Voda, de la Tavat à Nerot, de la préparation des Nerot, tu le coupes en 2, tu fais 5 d'abord et 2 ensuite. Maintenant, alors là, la Torah nous a dit les ha'alot ner tamid, bichus la brazerot olifin Hashem. La Torah nous a dit que tu sais, il y a un ner qui doit rester allumé, plus longtemps, un ner qui est lifné Hashem, un ner qui est devant Hashem. Alors lorsque je viens de l'extérieur et que je me retrouve avec la menorah qui est dans le même sens de ce que je marche, il y a un ner à l'extérieur et tous les autres nerfs qui sont à l'intérieur, ils sont plus à l'intérieur que le nerf qui est à l'extérieur, c'est logique. Donc ça fait un qui est à l'extérieur, un qui est complètement de l'autre côté qui est au Maharav, mais tous ceux du milieu, ils sont relativement plus à l'intérieur que le nerf externe. Alors la Torah insiste que tu dois laisser le nerf allumé qui est le nerf externe, le nerf qui est l'ifné Hashem, mais malgré tout, il y a une halakha qui va me dire, mais en ma'avirin à la mitzvot, une halakha qu'on a déjà évoquée, que lorsque j'ai une misa qui se présente à moi, je dois pas la passer outre, je dois m'en occuper. En l'occurrence, le Kohen, lorsqu'il arrive, il rencontre la menorah. Il doit laisser un ner, mais un ner qui est l'ifné Hashem. Donc ça va faire, et on a dit que ça va faire l'équivalent de deux nerot en même temps. Donc du coup, il va devoir laisser, ouais, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais en tout cas, concrètement, de là on déduit, de ces psukim, on déduit qu'il faut laisser les deux nerfs externes, de manière à ce qu'il y en ait deux, mais qu'il y ait aussi un ner qui soit un ner l'ifné Hashem. Et c'est comme ça qu'il faut laisser, c'est comme ça que c'est déduit qu'il faut laisser ces deux nerfs externes. Précision très importante, il y avait un S, un miracle qui se passait à l'époque jusqu'à ce que Shimon HaTzadik décède, qui avait le deuxième nerf, qu'on appelle le nerf Amaharavi en fait. Le nerf Amaharavi, c'est le nerf qui est à l'ouest, mais en fait il n'est pas à l'ouest, il est à l'ouest par rapport au premier nerf, comme ce qu'on a expliqué. Ce nerf-là, il y avait un miracle qui se passait, c'est qu'on mettait la même mesure d'huile que toutes les autres, et ce nerf-là restait allumé 24 heures sur 24. Ça veut dire... Non, il reste allumé pendant 24 heures.
Après, de lui, on rallumait les autres, après on le préparait et on le rallumait de nouveau en lui remettant la même dose d'huile que tous les autres Nérot, et il restait allumé jusqu'au lendemain 24 heures. C'était une Edut Hil et Israël, c'était un témoignage que la Shrina d'Hachem est restée, qu'il y avait un miracle qui se produisait au Beth Amikdash tous les jours, c'est qu'il y avait un nerf qui restait toujours allumé, qu'on appelle le nerf Amaravi, comme on a dit, c'est le deuxième en fait, le deuxième qu'on rencontre lorsqu'on rentre. Et voilà quoi, c'était un. Et depuis qu'il est Niftar, Shimon HaTzadik, donc il fallait ensuite la Mishnah, elle nous a dit, ben écoute, si ça s'éteint, tu le rallumes, et dans ce cas-là, tu le rallumes le temps de faire le Korban Tamid, et après tu devras l'éteindre et préparer les Nerot en attendant le soir. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ce très long Barthénois que vous pouvez voir. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.